du monde, des quarts de finalistes de Coupe du Monde, puisse une compétition organisée au Cameroun, à deux jours, à trois jours de la compétition, se faire notifier qu'une commission où on a regroupé les anciennes gloires, une commission créée par le COCAN, où on a regroupé les anciens gloires depuis une, deux, trois mois, puisse se faire notifier à la veille de la compétition qu'ils sont une commission de bénévolat. Pourquoi bénévolat? Parce que contrairement à d'autres commissions qui ont aussi été nommées et créées par le COCAN, sans invective contre le ministre de la Jeunesse et des Sports, ces commissions ont touché des sommes d'argent. Et dans ces commissions, il y a même des influenceurs des réseaux sociaux. Je vous ai dit bien, des influenceurs des réseaux sociaux ont touché de l'argent pour la CAN. Et vous, donc, on vous notifie en tant que bénévole. Et les anciens gloires sont notifiés que leur commission, c'est du bénévolat. Et votre commission consiste à quoi? Consistait, le président de la commission des anciens gloires est là, son excellence. Ah, d'accord. Et on se retrouve à faire du sitting, presque du sitting, entre parenthèses, au ministère, où on va pour rencontrer le ministre deux, trois fois, de 9h à 20h, le ministre est occupé, à deux jours du début de la compétition. Franchement, je ne sais pas si je dois pleurer en tant qu'ancien footballeur, ancien gloire, ou ancien lion. C'est inacceptable et c'est vraiment déplorable. On va passer la parole tout à l'heure au président. Il y a le coach. Puisque je suis dans il y a le coach. Lignée. Je vous reviens tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Il y a le coach Jean-Paul Lacone qui doit partir. Vous savez, je ne sais pas s'il va aller au stade tout à l'heure. Coach, vous avez déjà eu votre billet? Pas encore. Non, le président de la fédération a tenu à ce que le coach reçoive son billet, mais comme il va un peu plus tôt. Ah, je préfère vous remettre votre billet officiellement pour que vous ne finissez pas l'émission avec nous. À quelques heures seulement. Merci beaucoup. C'est une action, voilà. C'est une action du président de la fédération. De l'Africa Foot. Oui. Jusqu'ici, le coach n'avait pas encore reçu. Je dirais merci au président de l'Africa Foot. Jusqu'ici, le coach n'avait pas encore reçu de billet. Mais vous le voyez là, en direct. Là, malheureusement, je ne pourrais pas être avec mon épouse. Bon. C'est un billet single. Ouais. Oui, c'est pour une personne. Il n'y a pas de billet. Bon, même toujours ton épouse, hein, c'est pourquoi on vient de refouler son épouse à l'entrée du stade. Coach, vous voyez donc que l'émission Club d'élite vous a fait beaucoup de bien ce matin. Mais vous avez reçu vraiment, votre. Vraiment, j'ai dit merci au président de la FECA Foot. Vraiment, sincèrement, merci. Parce que avant que nous ne rentrions dans le vif du débat. Serge. Nous étions en train de parler en off, n'est-ce pas, de ce qui se passait. Bon, même les accréditations, les billets, tout ça, on n'en a pas. On n'a pas pensé au coach. Au grand coach, Jean-Paul Lacoste. Non, même pas à moi, à toutes les coach, anciennes gloires. Oui, mais coach, vraiment, excusez-moi, mais Banco a ouvert une porte. Et il faut vraiment, à un moment donné... Les autorités prennent conscience de ce que nous valons. Nous ne pouvons pas avoir servi notre pays, dans ce qui nous concerne, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus vendeur de l'image du Cameroun que les footballeurs. Et que le jour où on organise la fête du football sur le territoire camerounais, les footballeurs soient les moins lotis. On aurait même pu avoir un pavillon avec les anciennes gloires. Et je peux vous dire que depuis deux jours jusqu'à tout à l'heure, j'arrête pas de décrocher mon téléphone parce que les gens m'appellent entre les joueurs en activité. Et ceux qui ont arrêté, tout le monde ne comprend pas comment on a poussé. J'ai rien contre ça. Apparemment, c'est un nouveau métier. On a trouvé quand même le moyen, notre ministre, c'est notre ministre de sport, d'inviter des influenceurs pour aller faire la visite des je sais quoi. Qui mieux qu'un footballeur peut vendre l'image du football? Nous allons jouer tout à l'heure. Vous n'aurez pas 100 internationaux camerounais. Moi, j'aurais aimé qu'on invitât Cyril Makanaki. J'aurais aimé qu'on invitât Kanabi. J'aurais aimé qu'on invitât Thomas Nkono. Mais je vois des invitations, je ne sais pas si elles sont vraies, de personnalités dont je n'ai rien à reprocher. Mais je trouve quand même que ce n'est pas compréhensible. Nous avons des amis qui jouent dans d'autres nations et qui nous disent, mais les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Imaginez, regardez vous-même la scène. Vous avez là... En Afrique, dans un continent, l'un des entraîneurs qui a gagné une médaille olympique, qui vient recevoir... Le seul entraîneur africain qui vient recevoir un billet qui lui a été envoyé. Heureusement que nous avons... Et bravo, Samuel Eto'o qui lui pense vraiment au football.
Et je crois qu'ils auront du mal à partir avec. Ils ont commencé par ne pas le mettre dans le programme. Je leur souhaite bien du courage. Nous, on l'amènera. Ils nous accompagneront au stade. Mmh. Et nous l'accompagnerons dans ce qu'il a à faire. Avant de continuer, oui. Comme le prochain coup, en direct, une fois de plus. Deux voilà. Excellent. Le coach Jean-Paul Lacono qui reçoit beaucoup. Donc un billet. Ça, ce sera pas seul à la tribune. Voilà. Un billet donc des mains de son excellence Albert. Deux billets supplémentaires. Il pourra même inviter même un enfant ou une petite, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je voudrais, avant que le coach ne parte, je voudrais revenir sur ce que Branco et Lucien ont dit tout à l'heure. Moi, j'ai même des larmes aux yeux. Parce que je ne sais pas comment dans un pays comme le nôtre, qui venaient ces sportifs, qui venaient ces... C'est pas seulement nous les sportifs. Ça peut être des docteurs, je sais pas, autres. Des ingénieurs. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Cette commission a été créée. Banco a parlé de Coca, mais c'est la présidente de la République qui a créé cette commission. Commission de suivi. De veille. De veille et de suivi. Exactement. Ça veut dire que nous devons être éveillés pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe dans toutes les commissions. Les commissions et suivre. Voilà. Et suivre pour la vérité au peuple camerounais. Je ne peux pas comprendre. Dès le premier jour, j'ai pris de mes propres moyens du ciel et là. Je suis parti à Douala pour une première réunion. À Douala. Tout s'est très très bien passé à Douala. Je suis revenu à Yaoundé. On a fait une deuxième réunion. Mais depuis, c'est un chaos total. Donc beaucoup de membres de cette réunion pensent que le ministre m'a donné de l'argent. 1 milliard et que j'ai mis ça dans mes poches. L'excellence intérêt. Je leur ai dit que quelqu'un a dit non. Peut-être que vous ne connaissez pas l'homme, vous dites qu'il a payé 1 milliard. Non. Bon, je ne peux pas me mettre là dans l'antenne à incriminer le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Moi, je l'ai toujours dit et je le lui dis toujours tant que je suis d'abord. Peut-être que lui ne respecte pas. Il porte le pain toujours pour aller au statut, tout. Mais c'est significatif. Je dis, je suis juste ton frère, ça va. Je ne peux pas avoir aidé d'autres ministres à réussir dans cette discipline et que je ne puisse pas t'aider. Mais je suis moi-même, je suis rien devant le ministre, ça je le dis. Vraiment, devant les antennes, que tout le monde le sache. Je suis devant le ministre. Donc vous n'avez reçu... Hier encore, j'étais avec le ministre à une cérémonie. Il y a une cérémonie à l'ancien palais de sport, de l'ancien palais de la Madoua, à palais présidentiel. Le musée national. Au musée national, qui est aujourd'hui le musée national. Il y avait une cérémonie trop leaders. J'étais avec lui. J'ai dit, mais monsieur le ministre, à l'oreille, monsieur le ministre. Mais c'est grave. Les gars veulent passer à la radio, dans la télévision, tout pour décrier cela. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'ai même pris mon téléphone pour appeler à la présidence pour savoir exactement ce qu'il en était. Ce qu'il en était. Et ce que c'est notre commission. Mais le capitaine des Lions de l'hôpital, Emmanuel, est arrivé hier. Il voulait qu'on lâche le ministre. Il dit, encore chose, peut-être que quand tu es président de la région, tu peux peut-être aller facilement entrer dans son bureau. Je ne pense pas que moi, je puisse avoir accès directement. Comme ça. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la commission des anciennes gloires, qui est censée être une commission importante dans... Non, ce n'est même pas une commission des anciennes gloires. C'est une commission des internationaux camerounais.
que le chef d'État a bien voulu mettre en place pour qu'on ait l'œil, pour qu'on suive exactement ce qui se passe, ce qui ne va pas et ce qui va. Oui, pour apporter nos expertises. Mais moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, vraiment, c'est pas bien. Il m'a dit qu'il n'a pas d'argent. On ne lui a pas donné de l'argent, donc il n'a rien. Moi, j'ai quand même pris la peine d'appeler à la présence. Il m'a dit non. Toutes les commissions ont eu de l'argent. De l'argent. Je voulais encore ici dire au ministre que nous ne voulons pas des milliards. Mais s'il peut, comme il a donné aux influenceurs. Aux influenceurs, 1, 2 millions, 3 millions, tout. Quelle notion on peut même plus. Qu'on puisse m'avoir même 200 000. Ça peut aider. Donc moi, vraiment, je suis très écœuré. C'est pour ça que j'ai dit au gars, ne m'appelez plus. Parce que tout le monde pense que, comme le nom de Roger Miller, je suis que dans les bouches, c'est quand même.